ça me permet d'être présente auprès d'un secteur auquel je suis particulièrement attachée parce qu'il a un rôle essentiel de contribution à la prise en charge des plus fragiles d'entre nous. Et puis parce que c'est l'occasion de faire connaître aussi un dispositif qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2022. Cette proposition de loi, elle vise à sécuriser le circuit de collecte des cotisations à protection sociale complémentaire pour l'ensemble des salariés, des particuliers employeurs et des assistantes maternelles. L'idée, c'est de simplifier les choses pour les particuliers employeurs et de garantir l'effectivité des droits pour les salariés. Ce sont les organisations syndicales qui sont à l'origine de ce dispositif innovant. Quand on met autour de la table tous les acteurs et qu'ils se parlent, on arrive à faire des choses innovantes et surtout extrêmement pragmatiques. Demain, avec la transition démographique, nous aurons besoin de plus de structures d'accueil, de plus de structures alternatives, de plus de maintien à domicile. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut préparer les professionnels de demain. Et donc ça passe par effectivement un certain nombre de sécurisations de leurs droits, c'est extrêmement important. Et nous allons avoir besoin d'un nombre grandissant de professionnels. Donc il faut aussi leur donner envie d'aller vers ce métier.